Jusqu'à 35 degrés à Londres. Des Anglais en maillot dans les rues et sur le littoral. Des plages bondées comme jamais. Les Britanniques ont vécu l'été le plus chaud de ces 42 dernières années. Une douche froide pour les voyagistes britanniques, dont le géant Thomas Cook, qui se dit aujourd'hui en grande difficulté. L'été 2018 a été marqué par une longue période de chaleur à travers l'Europe. De nombreux clients ont passé juin et juillet à la maison pour profiter de l'ensoleillement. D'habitude, on part en Espagne ou en France, mais cette année, il faisait assez chaud ici. C'est comme un bain, on se croirait à Ibiza. Conséquence inattendue, près d'un quart de la valeur boursière du groupe a fondu ces derniers jours. Du jamais vu, selon les analystes. C'est une conjonction de mauvaises nouvelles pour Thomas Cook. Ça a été le plus bel été depuis des décennies au Royaume-Uni. Et en même temps, la livre sterling s'est effondrée face à l'euro, avec la perspective du Brexit et ce que cela implique pour l'économie. Et ce n'est pas terminé. Selon Thomas Cook, cet été caniculaire a aussi un impact sur les réservations pour l'hiver prochain. Elles sont en baisse de 2% malgré les importants rabais accordés par l'agence de voyage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le budget vacances des Britanniques profite cette année largement à l'économie locale avec un taux record de réservations dans les stations balnéaires du pays. Les voyagistes misent donc maintenant sur le prochain coup de froid.